Ah ouais. Salut, salut YouTube. Salut à vous. Une autre vidéo. Ça chauffe. Cette histoire de réchauffement climatique, c'est sérieux parce que ça chauffe, ça chauffe énormément. Alors, il m'a demandé de savoir combien ça coûte. La formation des chauffeurs camionneurs ici aux États-Unis, combien ça coûte pour se faire former ici aux États-Unis en tant que chauffeur camionneur. Et voilà, c'est pourquoi en fait je fais cette vidéo aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme toujours, une petite histoire. Pour ceux-là qui n'ont pas vu la vidéo précédente qui concernait ce jeune frère qui n'a pas pu tenir dans le métier. Après 2 jours de conduite. Avant lui, c'était un autre frère. Et moi, c'est un frère. Parce que quand vous rapprochez déjà de moi et qu'on échange et que ça clique et qu'on se comprend, vous devenez des frères. Donc, du coup, ce frère avant lui a fait 2 semaines et il a abandonné. Celui-ci a fait 2 jours et il a abandonné. Donc, avant de répondre aux questions, à savoir. Combien ça coûte le métier ou alors pour être chauffeur camionneur aux États-Unis. Je tiens à rappeler que ce métier n'est pas facile. Ok? Il fait extrêmement chaud en ce moment et c'est au moins le 3e ou le 4e état où je me retrouve. Après le Mississippi, j'ai fait le Colorado, maintenant le Kansas en direction pour le Wisconsin. Et il fait extrêmement chaud. C'est l'été, oui, il fait chaud, mais il fait encore plus que chaud. C'est comme ça partout. Donc, ce n'est pas facile déjà de changer de climat. Tu quittes d'un état ou alors d'un pays ou alors d'une ville à une autre, le climat change. Les routes, les constructions, le conduire dans la nuit, en journée, être loin de la famille, ne pas pouvoir se laver 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour pour ceux-là qui le font. C'est très contraignant et ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Lors de la formation, ne pas pouvoir être payé de façon adéquate, de façon à s'occuper de sa famille. Ne pas pouvoir payer ses factures parce que voilà, ça ne donne pas chaque jour. Ce n'est pas donné. Ne pas dormir chez soi chaque nuit. Ne pas dormir sur son lit chaque nuit. Ce n'est pas donné et ce n'est pas tout le monde qui peut supporter cela. Donc du coup, c'est très difficile. Okay. Pour ceux-là qui sont chauffeurs camionneurs, bravo, courage à vous. Je sais ce que c'est, je suis dans le métier, nous sommes ensemble. Mais pour ceux-là qui ne parviennent pas, bravo, courage à vous. Parce qu'au moins vous avez essayé. Essayer, ça vous dépasse. Quel que soit le métier, lancez-vous et essayez. Au pire des cas, vous rentrez où vous étiez. Ou alors au pire des cas, vous changez, vous faites quelque chose d'autre. Mais il faut toujours s'améliorer, toujours changer, toujours faire quelque chose de nouveau. Tant qu'on n'est pas à l'aise où on est. Ok? Donc, après avoir récité ma Bible, combien ça coûte la formation des chauffeurs camionneurs aux États-Unis? Je tiens à vous dire de façon blanche, de façon ouverte, 0 franc. Ça demande simplement votre temps et votre engagement. Votre engagement, c'est le temps et surtout être capable de. C'est-à-dire. Qualify, quel est le terme en français? Qualify, c'est remplir les règles ou remplir les conditions physiques, médicales, paperas, c'est-à-dire casier judiciaire et quoi d'autre? Ah oui, tant que vous remplissez ces conditions, il y a plusieurs entreprises ici aux États-Unis qui vont vous former gratuitement. Je dis bien gratuitement. Ils vont s'occuper de votre logement, de votre nourriture et de A à Z. Ils vont vous aider à avoir votre permis commercial, c'est-à-dire votre permis de chauffeur camionneur. Ils vont vous aider. Il y en a plusieurs ici aux États-Unis. C'est à l'exemple de Swift, USA Trucking. Citer en dessous pour ceux qui connaissent les entreprises américaines. Mais mon partenaire, celui-là avec qui je travaille actuellement, s'appelle Prime Inc. OK? Prime Inc, c'est cette entreprise, c'est un partenaire avec qui, c'est où j'ai fait ma formation. C'est eux qui m'ont formé de A à Z. Aujourd'hui, je suis moi-même formateur. Je suis traîneur, je suis coach, je suis mentor, je suis accompagnateur. Je forme d'autres gars. Et je puisse vous dire, la formation est gratuite.
Et la seule condition avec mes partenaires, ceux que je connais, c'est de pouvoir rester avec eux, de signer un contrat de minimum 1 an. Après 1 an, ils lèvent les frais de formation. Maintenant, si vous choisissez d'aller dans un collège, dans une académie, dans une maison de formation, dans une agence, ça coûte entre 3 000 et 5 000, voire 6 000 dollars. OK? En France, CFA, ça fait combien? 500 fois 6, ça fait 3 millions environ. OK? C'est ça? 300 000. 1 000 dollars, c'est 500 000. Fois 5. 5 fois 5, 25. 2 millions. 2 millions, c'est entre 2 millions, c'est 3 millions de francs CFA. Mais ne vous inquiétez pas, après avoir suivi votre formation, vous allez chercher un emploi en tant que chauffeur camionneur, soit local ou alors OTR, comme on dit en anglais, over the road, c'est-à-dire conduire partout dans tous les pays comme moi j'ai fait, et pouvoir rembourser cet argent-là. Ça vous prendra environ 2 à 3 mois, maximum 4 mois pour faire ce remboursement. Si vous allez dans une école de formation. Maintenant, si vous allez dans une école comme moi j'ai fait, dans une entreprise qui peut vous former comme moi j'ai fait avec Prime Inc., c'est gratuit. S'occupe de votre logement, comme j'ai dit, s'occupe de votre nutrition et s'occupe de votre formation. C'est rassuré que vous avez votre CDL, votre permis de conduire et vous formez sur la route comme moi j'ai fait avec les gars aujourd'hui. Quand vous êtes libre, vous êtes prêt à conduire, ils vous offrent un camion, soit en tant que chauffeur, en tant qu'employé de l'entreprise ou alors en tant que contractuel. C'est-à-dire, vous signez des contrats et vous payez vos frais, vos charges, vos carburants, les mensualités sur le camion et vous les payez une autre partie parce qu'ils ont l'autorité, ils ont les permis, ils s'occupent de votre paperasse. Donc, du coup, c'est gagnant-gagnant. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. OK? Mais en fin de journée, ça revient gratuitement comparé à d'autres boulots business où vous faites des formations de 3 mois, vous n'avez même pas de boulot. Vous faites des formations de 5 ans, 7 ans, 3 ans et il faut chercher le boulot après. Dans le transport, dans la logistique, c'est du tic au tac. Il y a toujours et toujours le boulot. Il y a toujours assez fait de l'argent. Mais seulement pour pouvoir faire de l'argent, il faut être endurant, il faut être travailleur et il faut donner plus pour en avoir plus. C'est le travail. OK? C'est le travail, ce n'est pas facile. Mais quand cela ne tient, ah oui, la formation pour moi, je vous le dirai, elle est gratuite. Il faut simplement être disponible, c'est-à-dire être prêt au sacrifice et qualifier et remplir les conditions et règles imposées par les entreprises de formation. C'est-à-dire ne pas faire la drogue. Ne pas avoir un passé criminel négatif, être physiquement et médicalement apte et avoir une traçabilité d'emploi. Ils doivent se rassurer que vous avez travaillé quelque part avant et tout. Sinon, il y a des entreprises qui peuvent vous prendre sans expérience. Ça, c'est possible. All right? Donc, j'espère que j'ai répondu à une ou deux questions. À savoir, une question, la principale était de savoir combien ça coûte. Et rapidement, la deuxième question, c'est de savoir, c'est pour tous ceux-là qui m'envoient le message à travers mon deuxième téléphone qui est le 443, encore c'est plus 1, 443-619-8583. C'est un numéro WhatsApp, plus 1, 443-619-8583. Plusieurs, très nombreux me disent c'est leur rêve de devenir chauffeur camionneur. Ils sont en Afrique, ils sont au Mali, au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Il y a où encore d'autres? Au Burkina Faso. J'ai dit Sénégal déjà, oui. Au Togo, qui me contacte, ils me font savoir, c'est leur rêve et ils veulent être chauffeur camionneur aux États-Unis. Déjà, je tiens à vous rappeler, il faut déjà être ici. Déjà trouver le moyen de d'abord être ici et avoir le permis de travail. Je vous disais qu'il faisait chaud. J'ai même mis la clim jusqu'à là. Avoir le permis de travail avant de se faire former. Si vous étiez chauffeur camionneur avant au pays, en Afrique, quel que soit le pays, ça ne va pas passer ici-là. Il n'y a que le permis de conduire normal que vous pouvez conduire avec pendant 6 mois. Mais le permis commercial est uniquement fédéral, est uniquement américain. Donc vous allez venir ici gérer les conditions et autres, ou me contacter, ou alors vous vous renseignez et
Si ce n'est pas avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre. Mais si vous êtes intéressé, si vous êtes déjà ici aux États-Unis et que vous voulez travailler en tant que chauffeur camionneur, déposez l'application à Prime Inc. Prime Inc. Faites la recherche. Prime Inc. Inc. Trucking. Déposez votre application là-bas et faites-les savoir. Sergio, le petit voyageur, vous envoie. Simplement, pas besoin d'écrire tout mon nom, Sergio, petit voyageur. Déposez simplement le code D-O-T-E-S-E. Dot easy. D-O-T-E-S-E. Ça, c'est mon code. Avec ça, ils vont me retrouver facilement dans leur système. Et ils sauront qui je suis, qui vous êtes. Ils vont me contacter. On va se prendre et on va gérer votre formation. En attendant, portez-vous bien. Restez au frais. OK? Buvez beaucoup d'eau. J'ai de l'eau quelque part. Buvez beaucoup d'eau parce qu'il fait extrêmement chaud. Il fait chaud. Et comme il fait chaud là, même ceux qui étaient dans les bruits, ils sont sortis des bruits. Parce que le cerveau doit être calme, calme. Allez, à très bientôt dans une autre vidéo, très très prochainement, très 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 bientôt. Restez bénis, restons bénis. Ciao, Sergio, le petit voyageur.